des fibres. Pour le 1, un peu moins que la moitié, 40% à peu près, tout ce qui est le flat. Vous allez juste couper vos tranches de cette manière-là ici. Ça, ça fait une tranche. C'est ça que je suis dans le concert, ça. Vous voyez là que quand on parle de la pointe, de du plat, on a toujours le gras sur le dessus, c'est presque 90% de viande en dessous. Okay? Là, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais essayer de mettre que tout le monde voit. Mais là, je vais élargir mes tranches un peu, là, juste à. Là, il faut aller voir le poulet avant qu'il soit trop. Encore? Mais là, on est encore strictement dans la partie de la pointe, c'est-à-dire rien, du flat. Gras sur le dessus, viande rouge en dessous. On voit ça. On est en train d'arriver où ce que la fibre va changer de bord. On a encore du gras sur le dessus, juste la viande en dessous. Je vais reprendre tantôt tout le temps, on fait ça en deux. Ouais. C'est fait que ça. Bon, c'est tout pas mal, quand ça commence à... Ah! Et là, on commence à voir... Oups! Je sais pas si ça commence, une petite couche de gras, juste... Là, on va accélérer le processus. On y aller comme ça ici, en plein centre. C'est là qu'il coupe dans les vidéos pour la montre quand il monte. Là, que... Et là, vous voyez, bon, là, on le voit bien. Là, on voit. Oh, wow. Quand je vous dis que là, il y a un muscle en bas qui est le flat, couche de gras, muscle en haut. Mm. C'est ça que je veux dire. Okay? Donc, c'est sûr que le gras qui est entre les deux, pendant que ça va cuire, cette partie-là, ça va devenir très, très juteux versus. Les premières tranches où il y avait juste un petit peu de gras sur le dessus. Donc ceux qui aiment ça plus gras, ceux qui aiment ça plus juteux, vont préférer et de loin les goûts de la pointe. D'une brisquette à l'autre, l'épaisseur de gras va varier. On le voit bien là. OK. On a le muscle en bas, le muscle en haut. Le muscle en haut, il y en a beaucoup plus perçu. Oui, ouais, exactement. Exactement. Donc, c'est la pointe. Okay. Le gras ici va venir vraiment tout donner de la saveur en bas ici. Donc, ça vous de... quand on arrive, dans le fond, ce que je voulais montrer, c'est quand on arrive au fait où on voit le gras entre les deux, on fait une rotation de notre brisquette de 90 degrés, puis là, on vient trancher de l'autre côté, parce que la fibre, elle a changé de bord. Ça ne sera pas immangeable si tu continues tout dans le même sens. Mais si tu veux maximiser et briser les fibres, tu vas avoir des beaux morceaux comme ça. Ça, c'est un morceau parfait. Vous avez vraiment les fibres qui ont été coupées. Vous avez le beau gras entre les deux morceaux de viande. Tout ça, c'est un goût qui est parfait. OK? Bien, Sébastien, je vais te laisser finir de couper ça puis commencer à le grinder. Yes. Puis nous, on va aller voir le poulet avant qu'il soit trop cuit. Fait qu'avais-tu des questions?